Yop tout le monde, c'est Gotaga, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça veut dire qu'un jour dans ta vie t'as eu plus d'abonnés que Speedy. Pourquoi j'ai toujours une tête de Karen moi? He's so crazy, I love her. On peut pas le faire, Alex, c'est une certitude absolue. Allez, Yop. Et la team, ça a dormi à peu près 15 minutes chacun, on est paré, ready. Ouais, 15 minutes, c'est ce que j'ai dormi sur la dernière game de Valorant. Moi j'ai dormi un peu plus. Et on va où? Direction. Tokyo. On part en mode Japon, voilà, on a 15 minutes de sommeil chacun, on est dans un zion, pas possible, on prie pour pouvoir dormir dans l'avion et... Par contre, il part faire les championnats du monde de bowling. Attends, t'as oublié ton sac à dos. Ouais, Alex, j'aime pas te faire flop, mais parfois tu cherches quand même, frère. Allez, c'est parti. Ça s'appelle comment le bébé? Oh là, c'est catastrophique. Il vient de se chier. Non, c'est pas. Ah, il faut qu'on ferme. Quelqu'un a les clés à portée de main? Ouais, je me dis ouf, nous. Attends, il remonte ou pas? Oh, c'est comme ça. Vas-y, appuyez sur l'ascenseur, je suis dans un ziac. Vous avez votre passeport, c'est le plus important, les gars. Oui. J'ai pas mon passeport, j'ai mon passe-monto. Frère. J'ai pas compris la vanne d'Alex, il a dit j'ai pas mon passeport, j'ai mon corps. Faut plus plutôt. Allez, let's go. Et ça faisait longtemps les plans aéroports. Ça va ou... Ça va Steph ou... Moi l'avantage c'est que tu vois quand tu sors de l'avion il faut savoir quelle est ta valise. Ouais. Moi c'est simple, je suis seul au monde à avoir un truc comme ça. La capacité c'est combien de Red Bull ton sac y a dans le frigo. Ouais team, embarquement. Scanne les passeports. Oh, la tête de Steph. Allez hop. Est-ce que cette personne est en position d'une masterclass dans sa valise? Oui. Je suis vraiment... Ça va, il y avait mieux mais ça marche quand même, c'est bien. Yann t'es là, Alex t'es là et moi je suis là. On dit au revoir au frigo Red Bull Yann. Au revoir le... Au revoir la salle de bain, au revoir les toilettes. Voilà, arrête de faire les soirs. Allez, on y va. On est dans le métro parisien. On m'a dit, on va prendre l'avion, on se retrouve dans le métro. J'ai un sketch. Les gars, ils sont épuisés. Et du coup, ils rigolent pas, mais s'ils étaient pas épuisés, ils rigoleraient. Ouais. Regardez qui on vient de croiser là. Il a essayé de nous éviter, il cherchait le lounge, mais du coup on l'a chopé, il est obligé de nous reprendre le petit déjeuner. Allez, c'est Steph qui ralasse en plus. Avec vous les gars. Let's go. Oh le chiffre. Ce serait pas le Sky qui était en 0-7 hier soir? Mais si, c'est bien. Regardez qu'il y a aussi. Coucou. Ça va ou quoi? Ça va tranquille. Bon les gars, je réunis tout le monde là, venez ici s'il vous plaît. Regardez-moi ce crew splendide. C'est le premier voyage de Yann avec la licorne. C'est vrai, let's go. Pas du tout fatigué là. Moi j'ai faim là. Moi aussi j'ai un cheesecake déjà spéculoos dans la main, j'attends. Moi je veux un café. Comment on fait pour manger là? J'ai faim là. Bah Elise a dit qu'elle paye, après moi c'est ce que j'ai voulu dire. Mais non. Non mais les gars, là en vrai on part au Japon et du coup on a la chance d'être accompagné par notre partenaire pour ce projet Revolut. C'est un peu eux qui vont nous ralasser le voyage. Là c'est eux qui payent le petit déj là. Ouais c'est eux qui payent. Ah c'est pas courant hein, parce que d'habitude c'est Coco, il ralasse tout le monde. Non non, bah là c'est... Let's c'est go. Revolut. Let's go. C'est quoi Revolut? Revolut c'est une révolution un peu dans le game. Non moi j'ai parlé de Revolut parce que j'ai Revolut depuis 2018. Ah c'est Revolut. Lui les choses. Non mais c'est vrai, Revolut c'est super pratique surtout pour les voyages. T'as pas de frais à l'étranger. J'entends pas, faut parler plus fort. Ouais. Donc je la refais. Sérieusement, vous pouvez retirer dans les distributeurs automatiques gratuitement dans tous les pays. À Bali ça fonctionne, à Dubaï ça fonctionne aussi. Et vous avez pas de frais à l'étranger. Pas de frais sur la... Tu sais quand t'as deux monnaie voilà, ouais. Sur le yen, euro, etc. Et donc ça c'est vraiment génial et ils ont une appli 100% en ligne, c'est trop bien. Coup, pour nous c'est parfait, ouais. On part au Japon et tout, c'est nickel. Okay. Du coup c'est aussi une banque en ligne, tu peux faire ton compte en 25 minutes. Vous avez l'air tellement calé, il y en a un des deux qui va devoir payer le petit déj. Hein. Je sais pas s'il y a des cartes, mais Steph toi... Mais du coup je vais peut-être essayer de les payer. Bah on sort les cartes, c'est toi qui les as. Ouais. T'as les cartes? C'était ta mission Steph pour le coup. Vous avez laissé au loin sur les bureaux en bas. Pourquoi ils ont oublié les cartes? C'est pas mon problème, moi j'ai déjà pris mon café moi. Comment on fait du coup? Bah je crois que je vais payer avec j'ai rien d'autre en les vrai, gars. En vrai les gars, vous savez, quand vous êtes parti au Bahamas, j'ai utilisé la téléportation. T'es au kebab le con. Non mais... Ah, mais t'es là toi, oh les gars! Mais on va pas se les gars! Ah non, ça se voit, il va encore faire une masterclass, voilà, Yann. Et après, là, faudra que tu parles pas parce que j'ai un autre pouvoir en fait. Je peux aussi revenir dans le temps. Mais non. Et je les ai vus les cartes sur le bureau lundi soir là avec Mathieu et tout. Donc ce que je fais, c'est qu'avec Alex, je me TP, je récupère les cartes et comme ça on. Putain, mais j'ai rien demandé moi. Ouais, mais. Imagine, il loupe le vol. Il va avoir le démon. Bah ouais, on part dans une. Donne ta main, gros. Donne ta main. C'est parti. Aïe aïe! Mais ça fait mal ton truc. Barbéré, là on est lundi soir. Oui, on continue l'émission avec Mastu et Magla. Ah oui. Et là, je sais où sont les cartes, je vais aller les récupérer. Te fais pas repérer, hein, parce que si on se croise, on peut se croiser dans la vraie vie. Oh merde, mais il se passe quoi si je croise, on croise les temps qui passaient. Tu meurs. On meurt. Tu meurs, mec. Oh merde. Donc te fais pas repérer. Ok. Attends, attends, attends. Ah, je vais aller détruire les chiottes. On a eu chaud, hein. T'as fait
fait repérer par toi-même. Là, faut que je récupère les cartes. Ouais, fais attention, fais pas de bruit. Et attends, je crois qu'il y a Steph. Ouais, c'est pas grave, je passe en discret, je passe vite. Il est là-bas, je pense. Il est là-bas. Ah ouais. Émission gros. Ça, je passe vite. En fait, le gaming a pris trop d'ampleur. Je vais vite, je passe en discret. C'est où ? Lui, il a demandé la douche. Vas-y, vas-y. C'est pour ça que je sais. Vas-y, viens, c'était pépite. Ok, on retourne dans le présent. C'est parti. Ouais. Et voilà, c'est bon. Ok. Et ce qui est super bien, c'est que tu peux personnaliser tes cartes. Eh oui, en vrai, les a tous personnalisées. Ouais, on a fait et tu dois deviner à qui est chaque carte. Merci Revolut pour ce poulet. Ça, c'est un panda. C'est pas facile du tout. Alors, merci Revolut pour ce poulet. C'est pas Elise. C'est vrai que c'est un peu Steph. Oui, mais ça peut être Alexis. C'est pour moi. Ouais. Ok, moi j'ai elle du coup. Steph, t'as laquelle? Merci Revolut pour ce poulet. Ok. Est-ce que tu lock in tes choix ou pas? Alors, t'en as aucun de juste. Si, il y en a un seul, non? Un seul. Ah oui. Ah oui, un seul non, de juste. Mais c'est de redistribuer carte. Maintenant. T'as déjà exécuté à quoi? C'est encore un tout faux. Ouais, tout faux. Du coup, c'est qui fait le poulet? C'est moi le panda. Ouais, on faisait un bait en fait. Ouais. Bluffeur. Ouais. Je pensais que j'allais faire un truc super extraverti, j'ai mis juste un petit panda. Ouais, et du coup j'ai bon plus sur Elise putain. Ce qui est très bien c'est qu'au Japon du coup moi c'est moi, le panda qui va nous ralasse. Comme moi ça va être mon storytelling, genre le panda. Allez on va manger hein. C'est Elise qui ralasse le premier petit déj. En tout cas sachez les gars qu'il y a le lien en description pour télécharger l'application gratuitement. L'application Revolut qui sponsorise cette vidéo. Et aussi les gars, petite chose qu'on a oublié, du coup si vous inscrivez avec le lien, vous pouvez avoir 20€ offerts. Et il y aura un concours aussi où vous pouvez tenter de gagner 1000€ grâce aux frérots de Revolut. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description. Et du coup continuez en commentaire, merci Revolut les gars. Allez Lise, ralasse. Ouais, attends, regarde, truc de fou, je mets des sous là. Oh. Comme ça, en 3 clics, tu mets des sous là, depuis l'application. En 2 secondes. Pas trop le seul. Donc, je voulais trop mettre un petit panda. C'est ça, ouais, c'est vrai. Il a fait sa carte, il a fait. Moi, j'avais mis un panda, je savais pas quoi mettre. J'avais pas d'inscription. Ok, Elise, c'est toi qui ralasse pour le premier coup. Ça fait combien d'argent, Elise? Le petit déj, il coûte combien? 47. En plus, elles sont trop bien parce qu'elles sont métallisées. Ouais. Tu sais, elles sont lourdes. C'est pas mais comme les cartes en plastique. Il y a des plastiques, il y a des métal, il y a un peu tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux, c'est trop bien. Et en vrai, c'est carré de fou. Trop cool. Et normalement, sans contact, je pense. Là, je vais faire sans contact. Ah, gain de temps. Super. Et on va bientôt embarquer. Merci, Revolut. Merci, Revolut. T'es venu dans quoi? Bah écoute, moi j'ai des trucs à faire à Tokyo. Il y a une journée où t'es pas là. Et du coup, tu vas prendre une cam. Ouais, je vais aller prendre une cam. Si je te dis. Non. Si, si, si. Si je commence ma phrase par comment ça? Comment ça, mon ref? Comment ça, mon ref? Non, ça passe. Oui. Il va voir Billy. Tu vas voir Billy? Tu vas voir Billy? Comment ça, mon ref? Malveillant. Waouh. Bon, on embarque, c'est ça, Steph? On est en nuit blanche, on espère dormir tout le trajet à la team. Okay. Combien de temps vous dormez? 5 heures. Ouais, j'espère. Sur 12. Au minimum 8 dans l'idéal. Mais je pense à un bon 6 heures. Oh, 9 heures là, c'est incroyable. Moi, 5 aussi. 5. Toi? Moi, 8. Okay. Ok, maintenant, on essaie d'estimer combien. Corentin? Corentin, je pense que c'est 10. Non, Corentin, je pense qu'il one shot. Ah, c'est sûr. Il fait 10. On peut dire on est tous tout seuls. On est chacun de notre côté, ouais. Ouais, putain, moi je suis tout seul dans mon siège. Corentin, tu penses qu'il dort combien de temps? Je pense, dès que je vais être dans le siège, ça va être dur de tempo le moment où il faut rester attaché pour le décollage. Ouais. Mais je pense que je pars, je pense que je fais un bon 11h. 11h sur 12, ah ouais, oh le one shot. J'ai dormi 3h déjà la soirée au play, j'étais mort hier. On a joué la nuit, j'étais mort. Bon les gars, Gotha vous a pas dit, mais il me laisse sa place en business. Du coup, moi c'est par là, les gars. Salut, merci Coco pour les gens. Je pense que je peux aller jusqu'à où, jusqu'à qu'il me recale. Bon, allez. Salut Coco. N'hésite pas à essayer de dormir hein. Tu viens nous voir si tu t'ennuies hein. On va pas le voir du vol frère. On va débarquer, il va nous dire oh, je suis sorti avant vous, j'ai dormi tout le long. J'ai dormi 12 heures sur la valise, elle est déjà là, ils ont repassé mes vêtements. Corentin, il va dormir 14 heures sur 12. Allez. Putain, vous êtes des bâtards. Combien quand on passe la porte là, je fais semblant de trébucher un petit peu, tu vois. 5 reversant 2. 1, 2, 3, 4. À toi. 1, 2, 3, 1. Voilà, quand tu passes là-bas, je fais semblant de trébucher au moment de rentrer dans l'avion. C'est quoi ça, sérieusement? Prends 5. Allez, 1, 2, 3, 1. Allez, tu fais. Allez, run, on te filme. Franchement, je vous le dis honnêtement, je vais le faire. Vous êtes une bande de pitres. Je n'ai pas peur de le dire. Prends attention de ne pas trébucher, il y a une marche. Dommage, j'ai passé quelque chose dans les vacances, hein, sur la Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. On dit au revoir aux gens, on se retrouve à l'arrivée, là. Ouais, on sera peut-être des petites séquences, on arrive pas à Allez, 12h demain.
dans la team. 8h, bien arrivé à Tokyo, je dors 10h sur 13, je suis dans une forme incroyable, je vais être trop relou toute la journée. J'allais le dire, il y en a, ça se voit direct qu'ils ont pas réussi autant à dormir. En même temps, Alex, il est juste là, le pauvre. J'ai trop hâte. Première chose qu'on va faire, on va essayer de récupérer les pockets Wi-Fi. On a reçu un mail avant de partir pour dire qu'elle n'était pas arrivée. Je pense qu'Alex et moi, on va partir au charbon. Pour essayer d'en trouver, parce qu'il nous en faut absolument. Et après, trop hâte d'aller dans un petit 7-Eleven pour acheter des petits trucs à manger parce que j'ai trop faim. Comme j'ai dormi tout le long, j'ai loupé quasi tous les repas. Coco était en business, je pense. Moi, je mis sur un petit 11h sur 13 de dodo. Il était quasiment double nuit blanche. C'est vraiment les toilettes. Pardon, mon ref, tu peux répéter? Détruire les toilettes. Ok. Genre vraiment les toilettes, les détruire. Les cuvettes chauffantes. Voilà, exactement. Et du coup, bien arrivé à Tokyo, les gars, vous pouvez le voir. On est trop heureux. Peu de sommeil pour certains, mais on est parti pour une grande journée. À toutes. On va à Tokyo, Sarutomo. Ça veut dire quoi, Sarutomo? Ça veut dire où en japonais. Ouais, le mot, il est badlon. Il est badlon, du coup, ça marche pas du tout. Ça marche pas du tout. Allez, bisous la team. Au film de famille, ça on peut filmer, Alex? J'ai filmé, c'est bon. Regarde, have a nice trip. Il y a écrit quoi en japonais là? Ouais, t'es pas bilingue, ça. Steph, qu'est-ce que tu fais là? Non, c'est pas moi, c'est toi qui as un gros nez. Bon, ça y est, on est arrivé, on a passé la douane. On est déjà plus que trois. Steph, il est parti en mission chercher le pocket wifi. Corentin, il évoque déjà ses aventures du Japon. Elise, elle est avec lui, je crois. Et là, on est avec Rod et Yann. Et on va du coup fouler la terre du soleil levant. Attention, là, react. Attends, run. Attends avant de mettre sur le goudron. Parce que là, on n'a pas encore foulé la terre. Là, à partir de là où tu marches sur le smoking area, tu foules la terre. Let's go! J'en fais quoi du truc qu'il y a dit en fait? On va le ramener sous la terre. Ouais! T'es officiellement au Japon, mec. Let's go! Eh, hey, mais il fait chaud ici, hein! Ah, mais ils sont là, les potes! Ça va ou quoi? On n'a pas récupéré 3 pockets Wi-Fi, non? C'est vrai, du coup, tu les as eu au final? Non, je l'ai acheté 3 autres. Putain, au Japon, les gars! Ouais! Il y avait personne qui a hypé, j'ai l'impression. Si, j'ai l'impression d'être solo, être trop content. On s'est hypé à 5 minutes, donc vous êtes sauté la vallée de Rhône. On a fait une danse de la joie avec Rhône. Non, mais c'est pas grave. Par contre, ça se voit, je sais pas pourquoi ça se voit de fou qu'on est à Tokyo. C'est tout propre, tout. Les enculés de français qui gueulent. C'est une limousine. Oh putain, mais c'est vrai que le vent il est à droite. Coucou. On est au Japon. On est trop bien. Ah non, j'allais dire, c'est pas ça, c'est... Konnichiwa. On est au Japon, on est trop heureux. Petit rappel de la toute première fois où on a parlé possiblement de venir au Japon. Tu penses que les gens, ils veulent une V2 Portugal là? Ils peuvent pas dire qu'ils veulent qu'on aille vlogger au Japon là en commentaire. Ouais, par contre ça, s'il vous plaît, dites-le bien en commentaire. Ils sont marrants, je sais pas, ils veulent tous aller au Japon, nanani, bah allez-y les frères. Et là, on y est les gars. Franchement, il fait trop beau, il fait chaud, il fait bon. Et vous avez pas pris de short, mais les gars, vous regardez pas la météo avant de partir en voyage? Ouais, non. Les deux? Bah non. J'ai été bête. Il n'y a absolument personne. C'est Wonderland 3 ou... J'ai la ref. Ça y est. Dans c'est les petites rues comme ça. Là, tu vois, j'ai envie d'aller acheter dans ce. J'ai envie de marcher dans les petites rues là. J'aime trop. Ça y est. Je sais pas où il nous a emmené, Stéphane. David Plummer, on est perdu. On est en... Déjà, épreuve 1, passe-partout, c'est validé. Il y a un cadenas, il y a un code. Oh là là. Oh my god. Oh là là, mais ça a été refait il y a pas longtemps là. Ça sent le neuf, je reconnais ça. Le carrelage, il est très beau. Non, c'est trop portugais ça quand je dis ça, non? Bon les gars, on est arrivé, on a posé les valises. Moi je viens d'arriver là, je lève mes chaussures. Hop. Parce que oui, au Japon, il faut toujours lever ses chaussures quand on rentre. Bon, je vous ferai la visite après, ça a l'air incroyable. Les autres sont déjà montés, putain, je suis en retard. Je vais aller les voir. Oh là là. Et là ça va aller au 7-Eleven. Oh les gars, ça pue des pieds par contre, hein. Eh, ça se voit, ça a fait 15 heures de vol là, ça pue des pieds. Oh le maxi. Ok, 2 heures, je suis là, j'ai pécho déjà au Japon. Là, ouais, je suis mort. Vas-y, Steph, fais-nous le Stéphane Plaza, fais-nous la visite. Parce qu'en fait, on peut pas tout visiter en même temps, il y a trop de. C'est quand même assez petit, exigu. Donc, Steph, tu nous fais la visite. Non, mais il faut que vous sachiez quelque chose, c'est que j'ai recruté quelqu'un dans mon agence, il s'appelle Yann. Et okay. Aujourd'hui, c'est son premier Yann. Jour. Et du coup, c'est Yann qui va nous faire la visite. C'est parti, mon Yann qui nous fait la visite. Tu viens avec moi? On part d'en bas. Quand même, pour me superviser. Je t'inquiète, je te suis. Il faut toujours commencer peut-être par l'entrée, parce que à moins que tu comptes te téléporter avec les clients. Hop, attends, on se téléporte là, comme tout à l'heure. Par contre. Donc là, c'est l'entrée. Ouais. Et donc, là, on peut se tourner. Attends, tu vas pas montrer le truc d'Harry Potter? Oh, c'est tellement... Il y a Harry Potter. Il y a vraiment Harry Potter là-dedans. Directement à droite, nous avons le premier toilette. Quoi? Attends, mais tu peux te laver les mains direct là? Oui, et ça va dedans pour faire des économies d'eau. C'est exceptionnel. Excusez-moi, pardon, je te laisse faire, Yann, désolé. Quoi? Non mais... Quoi? Désolé, c'est non, tout mais... le délégué en fait. Je suis désolé. Ah mais ça va devoir essayer les toilettes japonaises aussi là. Je suis désolé. Après. On continue. Bah, c'est la séquence The Office ou... Pour rester dans le thème. Là pour l'instant on est au rez-de-chaussée là. Avec le four. Mais il y a un lavabo avec... Oh la machine à laver de zinzin. Du coup il y a une salle de bain pour jouer à Mario Kart. André, si tu mets Mario Kart. Incroyable. Attends, mais par contre, tu peux te doucher là. Donc, c'est-à-dire que je peux prendre ma douche en même temps qu'Anne, lui, se baigne. Incroyable. Ah, mais c'est une piscine.
Bisous. La chambre de Steph. Mais attends, mais pourquoi c'est qui dort avec moi? Il y a quelqu'un, il y a un de vous qui dort avec moi. Tu dors avec qui pourquoi toi? Mais non. Non, mais toi, tu es du rond, c'est sûr. Non, ça, c'est pour ça que je dois aller en bas, parce que là-haut, je vais rêver trois chambres. C'est vrai, c'est réel. T'as vu de fou. Bon. Ouais, mais ça, j'ai l'impression que c'est partout. Puis en fait, Tokyo, ça doit être tellement cher que. Bah, ça reste comme ça. Là, on a une chambre double. On a fait le premier étage. Ok, allez, on y va. Merci pour ton soutien. Voilà, donc là, on est en haut. Personnellement, c'est ma salle préférée. Je sais pas ce que t'en penses. Comment elle s'appelle? C'est la salle à vivre. La salle à vivre, ok. Pièce à vivre. Pièce à vivre. La salle à vivre. Allez. Pièce à vivre. Et ça, c'est le banger, je pense. Gonflex. C'est pas dans le sens des normalement. Il y a Elise qui est en train de prendre un missionnaire Gonflex, personne dit rien. Et attends, ce qui est hyper intéressant, c'est que ça donne là-haut. Oh la mezzanine. On le voit pas. Et enfin, dernière. Attends, c'est quoi ça? Les gens veulent tout voir. Mec, c'est les backrooms. Vas-y. Après, Non, c'est juste les chats. Ah, celui-là, il a pas le lavabo, je suis un peu déçu. Si, il est là. C'est le G. Pour le FQ. Le G pour le FQ. Vas-y, mets la cam. Je pense que si on peut. Non, on fera des tests de jet plus tard. Il y a encore un étage. Ensuite, là, bah là, ça, je pense que ce sera pas avec ça. C'est aiguillu. Là, il y a une salle de torture. C'est quoi ça? Ah, mais ça doit être. Ça, c'est une chambre traditionnelle, je pense. Et du coup, là, tu mets ton futon et tu dors sur le tatami, en fait. Et enfin, la dernière chambre. Avec un petit tapis. Oh, et le lit sous l'eau. Bon, ça, c'est pour Coco, je pense. Ça, c'est la chambre de Coco, ça. Ça, c'est un futon que tu mets sur le tatami. Du coup, tu peux dormir dessus. Si je dis pas de bêtises, j'espère pas dire dinguerie. Une nuit, faudra qu'un nous se cache. On se cache là pendant qu'on t'adore. Les dernières games de Smash Bros, tu sens que c'est la fin. T'en as un qui monte avec une petite cam, il se fout là-dedans là. Et il lui fait la il fait RP Corentin. Et comme ça, on a imagine, le principe du vlog, on prend Coco au Japon. Ouais. Et ben c'est trop nice tout ça. On trouve mon McFlurry. Comment on dit où déjà en japonais? Samakoto. Somotelo. Il y a un truc à faire. Non, c'est on est au Japon, Soretemo. Soretomo. Soretomo. Et du coup, c'est on est au Japon, Soretomo. Mais ça marche pas. C'est tellement long, ça me fout droit. Tabasse un gros dos McDo là là. Tu vas dans un autre pays pour vraiment tester le McDo. Oui. Mais apparemment le McDo japonais mais c'est déjà, incroyable. Bah déjà regarde. Gros teriyaki burger là. Ça en France si vous connaissez pas, c'est insane. Et là les versions plus petites, mais elle est aussi au Japon et c'est bon avec Ron on est okay, nice. Nous on peut manger ça tous les soirs. Bon les gars, on a bien mangé. La prochaine étape c'est Ron qui va descendre avec les t-shirts de chacun de nous et qui va vous les présenter et qui va aussi devoir deviner qui a fait quel t-shirt, quel est le meilleur selon lui, quel est son t-shirt préféré. Et ensuite on a un shooting les gars à faire cet après-midi parce que ça sort quand Elise la collection vlog. Qui mange? C'est écrit juste en dessous. Celui-là j'aime bien. C'est le premier. Ça, c'est le devant. Je pense qu'il va être top 3 et pas 3ème. Il sera dans mon top 3. Et ça c'est l'arrière. Ok. Pour toi c'est qui celui-là? Je sais pas. Tu préfères tous les regarder? Tu. Ok, blanc déjà. Ça fait ressortir ma couleur de peau. Ouais. Mon teint. Oh waouh. Alors. C'est GTA Sarabodo. L'avant avec du coup la DA vlog. Agréablement surpris parce que on se dit c'est un t-shirt blanc. Un peu basique. Mais en fait c'est surtout les détails sur le derrière qui est très important. Magnifique. Avec toutes les refs de tout le monde, des vlogs, les Mac là-haut, Yann et le Dab. Attends, je vais deviner. Oh. Ça ensuite du coup. Bon celui-là vous l'avez déjà vu pas mal de fois. J'aime les cornichons. J'aime les cornichons. Non, en vrai il y a écrit quoi vraiment? Sarabodo. Mais il s'est encore trompé. Le pire c'est que du coup c'est une rêve que les gens vont pas avoir et du coup Soretomo. Il rentre dans mon top 3. Je trouve qu'à toi ça te va super bien. Quand les gens ils lisent ça en mode mais cette personne ça rayonne de soleil. Et ça c'est l'arrière. Avec du coup tout le monde, Coco au centre. Voilà, du coup là j'ai Corp qui avance vers le Japon. Oh celui-là je sais qui il est. C'est fou parce que tout le monde dit ça. Ah ouais. Ça c'est le derrière du tu coup. Tu vois je me trouvais beau, je avec des petites taches. Je peux te l'attribuer celui-là? Tu mets un pari sur celui-là du coup? Ouais je te le donne celui-là. Oui t'as raison. Ouais, bah, c'est voir l'avant j'ai pas trop. Non mais parce qu'il a bien insisté sur les détails. Voilà, ça c'est le logo Peace en encre gonflante avec un petit Colored Life et les petits Sin Peace. Sur celui-là, t'as quand même bien détaillé quoi. Ah oui, mais c'est le seul qui a beaucoup de détails donc après, bon. Donc celui-là, le devant c'est Grind Never Stop. J'ai pas vu le derrière. Waouh. Encore Grind Never Stop. Ouais, celui-là j'aime bien. Regarde pas trop les étiquettes. Ah, déjà t'en as un de juste. Celui-là c'est toi. Qu'est-ce qui t'a fait penser que c'est moi? Je sais pas, c'est ton style. Ça, tu penses c'est qui? Soit Eli, soit Mel pour moi. Donc ça, avec du coup le délire GTA, la DA. Je le donne à Steph. Ça, moi je l'aime trop celui-là avec les le fluide tout violet. Ah, c'est ton préféré celui-là? Nice. Je vais le donner à Yann. Yann, tu as raison. Bravo. Il avait pas regardé le t-shirt, j'ai dit lui ça sera sûrement son préféré. Ouais. Avec le gros fuck Steph là écrit Valorant. Il y a beaucoup de refs hein. Bleu 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 et bleu. Je donne à Mel. Pourquoi est-ce que tu le donnes à Mel? Valorant et le Nezuko. Je le donne Nezuko à Mel. Et le bleu 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 bleu. Quoi? Steph, j'avais raison depuis le début. Bien sûr mon gros. Voilà. Et du coup c'est lequel tu préfères? Le tien. Bah il fait ressortir mon teint, je peux le sortir. Bah, arrête, je vais lui faire croire toute la semaine que c'était le mien putain. Putain, on se trompait.
T'es nul. Il t'a dit c'est pas lui. Et toi t'as dit c'est pas Mel. Bluff. Du coup ton préféré c'est celui de Yann. Et ben je suis d'accord, il est vraiment très très stylé. En tout cas Ronan, il faut que tu saches que du coup vu que Mel elle a pas pu venir au Japon avec nous, c'était elle qui était censée porter et présenter son t-shirt. Bah du coup ça sera toi le représentant de son t-shirt qui du coup fera le shooting ici. Corentin, pour combien tu le portes toute la semaine mon t-shirt? Pour combien tu le portes demain toute la journée? Une journée de Gotaga c'est cher payé quoi. Non mais pour combien de... Ah c'est mon agent donc tu vois avec... Non mais pour combien le... C'est combien le coût de 2 heures de Gotaga? Pour combien le jeu? Pas pour combien l'argent? Ah ouais non, moi c'est vraiment que des OP que je fais quoi. Que l'argent quoi. Okay. Et non moi j'avais dit avec Yann, s'il fait une game avec plus de quelques mois hier, je prenais son t-shirt, il en a fait une. Oh merde. Bah si on fait le même pareil. Hein. C'est quoi si on fait une game où genre j'ai le droit de jouer Cody Gold, toi tu joues full à fond et si tu finis devant je prends ton t-shirt. Dans combien de temps? Ça va que lundi. En tant que tu veux, t'inquiète. Quel chien. Ok, ouais. Deal. Par contre, on pourrait parler des trucs sur Smash Bros. Oh, si tu veux, on joue à Smash. Ah, mais Smash, oui, je suis un peu moins confiant. Ouais. Du coup, on disait, excuse-moi, j'avais plus de batterie, Steph. La teinture rose. De base, c'était un défi parce que Steph. 1500 commentaires, mais je n'ai jamais accepté ce défi. Il a été fait quand même. Et les 1500 commentaires n'étaient pas tous sur la teinture rose, donc rien n'a été respecté. C'était 1500 commentaires sur le vlog, pas forcément sur la teinture. C'était sur la teinture rose. C'était sur la teinture, mais on les a eu. De toute façon, je n'avais pas accepté, mais ce n'est pas grave. J'avais quand même prévu de faire la teinture rose. D'accord. On a contacté plusieurs barbeurs, et malheureusement, personne n'a pu venir. Malheureusement, ça s'est fait cancel. On explique juste à la commune. Tu peux aller au supermarché et prendre une teinture, tu le fais là dans la salle de bain, si c'est terminé. Tu veux, on fait des, on fera, tu sais pas jouer à Smash toi aussi? Non, je sais pas jouer. On fera un défi sur Smash, celui qui perd doit se faire une teinture. Oh, j'aime trop. J'envoie Yann jouer à ma place. Non, il va faire exprès de perdre. Bah ouais. Non, mais je suis éclaté aussi à Smash. J'ai une question, Alex. Okay, comment tu les appelles? Les vloginous. Ça va pas. Y'a un problème, Ron? Fais gaffe à ce que tu dis, attention, parce qu'il y a une armée de vloginous. Y'a une armée de vloginous qui seront dans son camp. Honnêtement, vous acceptez qu'ils s'arrêtent comme ça, les gars? Les vloginous, vous faites. Vous êtes pas dur là. Mais ils aiment trop ça. Non, ils aiment pas ça. Ils aiment trop ça. Non. La team Alexou aime ça. Moi, je vous l'ai dit, je me permets de parler au nom de la team Steph. Je sais que nous, on aime pas les vloginous. En commentaire, les vloginous là, manifestez-vous. Quoi? Elle rentre pas dans le cadre, ta coupe, ok? Désolé, mais c'est galère. Attends, je vais faire. Au détourage, c'est chiant. Pour la venir, c'est chiant. Mais non, mais j'ai plus rien. Mais je vais aller chez le coiffeur. Tu veux pas faire une teinture rose? Day to day. Ça me dérange pas. Oh! Est-ce que là tu ferais pas un Shifumi? Est-ce qu'il y a pas un Shifumi? Moi je suis chaud de faire teinture aussi, mais si... moi c'est rouge par contre si jamais. Oh, attends, mais il y a un truc à faire là. Si je dois en faire une, c'est gris. Moi aussi, c'est trop frais. Je boucle de suite le coiffeur au Japon. Non, mais je croyais qu'il y avait pas de coiffeur. Yo, on vient d'arriver à Tokyo. Moi je suis KO parce que je suis un peu malade. Donc, du coup, je fais un petit somme. Je me repose cette fois-ci. On a pas fait comme au Bahamas. On a prévu des GoPro dans chaque chambre et tout pour vivre un peu avec chaque personne. Je pense que ça va être cool. Voilà, pour l'instant, c'est stylé. On a découvert la maison. Comme reposer un peu. Ce soir on va aller au resto, tout ça, donc là il faut que je prenne des forces si je veux tenir la soirée. Voilà, bisous. Bon les gars, première sortie. Il fait lourd de fou. À Tokyo, il fait chaud. J'ai mis le petit t-shirt de Yann, c'est mon préféré après le mien. Et on va où là? Faut qu'on fasse 2-3 achats, c'est ça? On va visiter juste un tout petit peu le quartier, on va pas aller trop deep. Parce que ce soir après on va ressortir avec nos propres t-shirts et on va faire un petit shooting dans la rue, etc. Mais ça on va attendre tout le monde ce soir. Et après on ira manger, etc. Donc on a un petit programme là aujourd'hui vu que c'est forcément le premier jour. On s'est tapé 15 heures d'avion, donc forcément on est toujours KO. Et voilà, on va se balader et déjà c'est très mignon. Et moi ce qui me tue de rire, c'est vraiment cet espace là. Là il y a une fenêtre. C'est la douche. Il y a des trottoirs. C'est le mec qui capte pas ce qui est exceptionnel et pas exceptionnel. Wow, regarde les fleurs. Oh, sorry. Ça commence mal, voilà. 12 secondes qu'on est sorti, on fout déjà la merde. En fait, c'est paisible. C'est une prison là, Alex, que tu filmes. T'imagines? Non, mais ça, c'est typiquement un truc où on filme un rush comme ça. Alex, et là, c'est là. Magnifique. Dans les commentaires, ça lâche des... c'est la morgue. Et j'ai tiré jusqu'aux oreilles, j'arrive pas à me l'enlever. Genre, je suis trop content d'être là. C'est quoi ton jeu, Steph? Le jeu, c'est que tu sélectionnes un numéro. Genre, tu regardes pas et je te dis un numéro entre 1 et 20. Imagine que ça tombe sur ça. Genre, on a aucune idée de ce que c'est et on fait un premier jusqu'à que quelqu'un doive l'acheter. Ça avec la bouffe, enfin, ça avec tout, ça va être trop bon. Et avec les machines, c'est mon petit jeu là quand je vais au Japon. Ça fait plaisir, les gens ils le reconnaissent et tout. Ça fait quoi d'être au Japon? Ah non, au Japon. Bon les gars, on vient de croiser un temple magnifique. T'as l'air trop beau, j'ai envie d'y aller. On est un petit peu gêné, on sait pas si on doit rentrer ou pas. Et Yann a eu une idée de génie en disant bah on a qu'à lire. C'est parti Yann, je t'en prie. C'est bon, on y va ou pas Yann? Ouais. Allez. Non, sachant que le commissariat est juste là, c'est le petit bâtiment qui est là. Ça c'est trop beau gros. Allez, on y va, salut. On veut pas faire de dinguerie, tu vois. Ouais, t'as pas envie, ouais. J'ai peur de... religieux. Imagine, c'est irrespectueux ce qu'on fait. Ouais. Rentrer avec des lunettes, ça se trouve, c'est irrespectueux. Vous êtes prêts quand on va rentrer dans le combiné, vous avez pété votre crâne, hein, comment tout est différent. Les gars, Yann a un petit peu mal à la tête, j'ai une solution miracle. Dans les petits combinés, tu prends un truc au pif et tu le fais boire en one shot. Ah, Stéphane, tu t'intéresses à la culture japonaise? Ouais, c'est intéressant. Ils sont fermés, les livres, on peut pas aller. Non, mais vraiment, par contre, c'est intéressant quand tu viens dans une. Oh, ouais,
Si c'est raisin, je pense que vraiment c'est mon crêpe de lait préféré. Allez, je prends. Moi, je suis chaud d'en goûter. Ce qui est marrant dans ce pays, c'est que là, c'est qui tout doux. Ça se trouve, c'est goût pneu. En fait, ils sont trop forts parce que tout donne envie d'acheter. Genre, c'est tout est visuel de fou, tout est coloré. Attends, je vais vous montrer mon rayon favori. Je pense qu'il est juste après. Moi, je me bats là. Ça, c'est trop bon. Ça, c'est trop bon. C'est ça. Ça, les gars. Retenez bien ce que je vous dis ça. Bon, on remercie Steph, les gars. Je suis sûr que ça va être incroyable. Si c'est raisin. Je sais pas si c'est raisin. C'est incroyable. Incroyable. Je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air d'être du coup violette ou rose ou un truc comme ça. Violette ou lavande. Ah, c'est pas ce que je préfère. C'est trop sucré d'un coup. Mes premières petites machines, les gars. Bon, on va pas jouer dans celui-là, je pense, parce qu'ils sont vraiment nazes, mais. Si, le petit porcinet là. Non, on laisse Andreas tranquille. Allez, venez, on va faire les boutiques. C'est 100 yens, vas-y, les 100 yens. Attends, parce qu'il faut trouver c'est laquelle la pièce de 100 yens. Je prends porcinet pour Andreas, ça lui fera un petit souvenir. Vas-y, allez. Oh, c'est, j'aime trop parce que Andreas il va avoir les cadeaux nuls, la calvasse, porcinet, tu vois ce que je veux dire. De toute façon, il mérite pas mieux. Non, attends, plus au fond, mon ref, t'es un malade, t'es absolument pas dessus là. Non, mais il est largement avant, les gars. Vous avez jamais joué aux machines ou quoi? Avant, tu me dis. Bah oui, regarde. Alors, tu l'as eu, mais t'étais. Non, t'étais 3 avant. Allez, comme je suis allé dans le mur en pli, je vais remettre 100 yens. Quand t'as des années comme moi, ça, c'est free, les gars. Mais quel crack. Oh, le crack. Mais quel monstre! C'est pour toi, mon Andreas. J'aurais aimé que tu sois là. Du coup, c'est le Japon qui vient à toi. Mais c'est pas pour Il s'appelle comment lui? Voilà, bourrico pour toi, mon petit Andreas. Bon, tous les jours, faut qu'on gagne un truc pour les membres de la JPA. Il manque Evan, Dédé, Aimé, China, Camille, Mel, ou rien trop de monde. Il y a beaucoup de gens. Ouais. Et il y a tout le monde, regarde. Ouah, mais t'es trop frais, Coco. Bah, c'est parce que j'ai pris ma lanière. Comme d'habitude, c'est un truc où je mets toutes mes affaires. Putain, c'est stylé. Mais attends, mais ça serait pas de la matière gonflante, ça? Ah, je me disais, il y a un truc qui me gênait depuis tout à l'heure. Ouais, bah, tu pensais que c'était. C'est gros, de basse qualité, tu sais, ça gratte au niveau des tétons, c'est bon. Ouais, c'est un peu chiant, mais vas-y, ouais. On fait avec. Hein. Attends, derrière, t'as une tache, je crois, colorée de life. Ça va, t'es bien, hein. Nickel. Ouais, hein. Et en plus, il tient chaud parce qu'on est tous en veste et en t-shirt. Pourquoi il tient bien chaud, c'est ça? Bah, justement, c'est le truc qui fait, tu sais, les matières gonflantes qui collent de partout. Du coup, tu transpires vite, donc vaut mieux. Bon, ok, c'est bon. J'abandonne. Non, en vrai, sans le troll, il est bien. Nice, ça fait plaisir, ça. Putain, l'hôtel, elle est posée en spike maintenant. Bon, c'est quoi le planning, Steph? C'est moi, on charge du planning, là? Oui. Là, on va à la station de métro. Il fait genre, mais il sait très bien ce qu'on fait. Hein. Les lumières, elles vont s'éteindre toutes seules. Je parlais à Yann. Fais gaffe parce que maintenant, t'es ma supérieure hiérarchiquement. Sur le papier, il y a écrit quoi? Rien. Juste clandestine. J'existe pas. À Pagnon. Et qu'est-ce qu'il veut l'autre là-bas, là, putain? Du coup, Steph, on fait quoi? On va à Kiabara. À Pagnon. Vos gentils fanfreluches partent prendre le métro direction le centre-ville. Non, mais j'ai peur qu'avec ton t-shirt, il y a plein de gens qui m'arrêtent. En mode waouh, est-ce que je fais une photo avec vous? Ouais, c'est ça, tu vois. Mais je pense qu'on va beaucoup faire des photos avec toi ce soir. Pour mon t-shirt, hein, vraiment pour le t-shirt. Hein. Ouais, bah ouais, je sais pas. Vraiment. Ok. Allez, les gars, en fait, la première activité, c'est 1h30 de course sur tapis. Let's go. Première fois qu'on prend le métro. Savoir que le métro au Japon, et surtout à Tokyo, c'est un banger apparemment. C'est super bien desservi, jamais de retard, etc. C'est incroyable. Et il y a la 5G, ouais. Streamer. Bah, 5G. Putain, j'ai pas la ref. Ah. 5G. D'accord, j'ai la ref. C'est chaud quand même d'être moins drôle que moi en Big 2023. Quoi. Non, mais c'est pas ça, mais elle était un peu technique. C'est pas un truc où tu fais un sourire, mais elle était un peu technique. Si t'en fais des bien techniques comme lui, justement, t'es en mode ah, bah ce ah là, des fois, il voit le sourire. Par exemple, quand je dis c'est quoi le repas préféré de Harry Potter quand il a 6000 de ping et que c'est les haricots rouges, et que tu vois, tu réfléchis un peu là, tu réfléchis toujours, tu cherches, et c'est quand que tu rigoles du coup parce que. J'ai pas trouvé ça de technique. Ah, tu réfléchis encore là? Non, la connexion rouge. La connexion rouge, ouais, pour Harry, à de Harry Potter, quoi. Ah, ouais. Ouais, non, mais c'est juste nul. C'est made in Alex, hein. Mais non, mais je sais que tu l'as volé. Comme à personne. Comme le t-shirt. Tu sais que tu l'as volé à personne, coloré de life, signature, t'inquiète. Moi, je pense que tu fais 5 photos ce soir avec des abos. Tu penses qu'on va avoir des abos? Pas beaucoup, genre 2-3. Ah, ouais. Et après, les deux derniers, c'est pour mon t-shirt. Ah, ouais, en plus. Non, moi, je pense que j'en prends 5, mais sur le séjour entier. Ouais, on est dans un autre pays. Mais tu t'appelles Gotaga. Rien que 1, moi, ça me surprendrait déjà, tu vois. Parce que c'est quand même improbable. On va juste croire des actes d'analyse, tout ce qu'on va faire. Hein. Bah, c'est vrai, ils vont croire, ils vont mettre. C'est pas Gotaga là-bas? Non, le t-shirt, non. Non, c'est le t-shirt. Avec ça. Ah, c'est comment pour commander je sais pas, vous êtes deux cerveaux quand même Non, on voulait prendre le pass à 72 heures et tout, mais il faut ça là, Passmo machin. Un Passmo? C'est Passmophobia. Ça, c'est technique quand même un petit peu. Vite fait, genre. Putain, j'arriverai jamais. Écoute, ce soir, je te ferai une blague technique. Je sais pas où, je sais pas quand, et toi aussi, ça vous fera rire tous les deux. Voilà, c'est mon challenge. Non, mais des fois, je rigole à tes trucs de merde, ça me cringe tellement que je me dis comment je peux rigoler à ça. Coco, il a une vraie théorie comme quoi j'ai les gens à l'usure. Bon, c'est par où du coup, Yann? Bah, je sais pas, moi je suis Steph. C'est où, t'es vu, y'a pas de barrière? C'est quoi? Oh, rien, t'inquiète. On sait grave où on va. Ouais. On sait grave où on va là, c'est bon. Est-ce que j'ai ralenti exprès pour voir si le mec allait dire non, c'est pas par là? Oui, il a rien dit, donc je suppose que c'est le bon choix. Steph, il nous emmène n'importe où là. Là, on est vraiment dans les bacs. Dans les bacs.
Avoue, t'as la logique comme dans un labyrinthe toujours à gauche. Ouais, ouais, tout est sous contrôle. C'est par où, Steph, du coup, là? Ça fait trois fois qu'on fait des demi-tours, là. C'est direction Ikashi Nakano. C'est non, direction Shuosobu Line. Il est craigné par vélo. Vas-y, tu prends la Yellow Line et tu sors à Akihabara Station. T'aurais dû prendre Uber. Pour une fois, je suis entièrement d'accord avec Corentin. Vous voulez qu'on split ou qu'on... Venez, les petits loups, je pense que c'est par là. En plus, on a une station vidéo, on commande Uber là, là, ici. Là, je sens qu'on va faire un truc pour rien. Et après, tu pourras dire j'avais raison. Et le vlog, vous l'aura vu. Passe. Là, sachez que vraiment, normalement, c'est super facile. Après, c'est juste que c'est Steph aux commandes, quoi. Je pense que tu ferais mieux. Je pense. Je pense que Steph, c'est une des personnes que je trache le plus pour ça. Ouais, mais bon, il est quand même aléatoire. Est-ce que moi, tu me ferais confiance pour ça? Non. Moi, tu me ferais confiance pour ça? Moins que Steph. Ah ouais? Tu me ferais confiance ou pas? Un peu plus. Ah, ouais. Donc, c'était logique. Donc, en fait, là, t'aurais trouvé le chemin par rapport à la logique. Je vais vous avouer quelque chose. Quand on est monté les escalators, on était tous les deux. Vas-y, faut que je te vois un truc, mon ref, je sais pas où on va. Et tout le monde trouve ça normal. Non, il est plus tout le monde, il sait pas ce qu'il veut. Corentin, elle a déjà de prendre le taxi qui est là-bas sur la place. Je vous jure, je suis dans la team taxi, hein, voilà, je vous dis les termes. C'est bon, on est dans le bon train. C'est écrit en japonais, je sais pas si on est du bon sens ou pas. Alex, pour combien tu fais l'aller-retour jusqu'au bout en consommé? Non. Faut stylé. Tiens, on va demain ici, c'est ça? Demain, grosse séance tatouage pour tout le monde. Nice. On fait Tokyo by Night. Waouh! En fait, c'est vraiment que des placements de produits partout. Regarde, il y a le sponsor de Gentlemate là-haut. On est au Japon, wesh. Vous êtes partout, hein, les gars. Gentlemate va conquérir le monde, hein. Tellement de couleurs, les gars, c'est trop stylé. Bah ouais, en fait, c'est ça qui est horrible, c'est que tu comprends rien, genre. Partout, tu regardes, il y a des inscriptions. Là, c'est peut-être là que t'as les multiprises, là, je le vois. Je vais demander, moi, je parle japonais, les gars. Faut des multi, des adaptateurs. Là, c'est le paradis, là. Pour ceux qui ont les refs, c'est vraiment stylé, putain, sa mère. Ah, il l'a pris, il a pas dit un mot. Il a pas eu une hésitation, ça a été waouh. C'est pour Liam ou pas? Ouais. Non, mais sa mèche est trop skinny, il va pas le prendre. Sinon, tu les as en gros là si tu veux, Coco. Ah, c'est pas mal. Hein. Alex, c'est tout, Alex, ouais. Il a pris l'avion lui aussi. Pikachu après le vaccin. On aura tenu 40 minutes avant que quelqu'un reconnaisse Coco. Par contre, les gars, deux frères de fauves, les t-shirts, insane. Tu prends les versions petites et les versions... Vous savez, ah non, j'ai un tartan qu'en trop. Vous savez ce que je trouve merveilleux? C'est pas qu'ils prennent tout ça, c'est qu'il a pas regardé une seule fois le prix. En fait, je vais prendre toutes les peluches, en fait. Je vais te prendre un Léviator, je vais te prendre un Karchak Rock. Est-ce qu'il faut pas que j'attende qu'on aille à Pokémon Company pour les prendre? Je suis déçu de Corentin, il a vu les prix, il repose tout. Et regardez, il y a un héros, non? Je jure qu'il y a quelque chose entre eux. Je t'avais pas dit, j'avais créé un duo. Demain, je vais me faire tatouer en premier parce que je veux aller à leur journée, ça a l'air trop bien. Je vais leur dire. Eh les gars, j'ai bien réfléchi. Demain, je me fais tatouer en premier parce que votre après-midi, je sens qu'elle va être incroyable et je veux venir avec vous. Je peux venir ou pas? Oh là là, viens, on fait un check collectif. Comment tu vas trop voir sur Mario Kart avec ça? Si on veut jouer à Mario Kart 4, un jeu qui peut être super fun, tous, c'est Mario Party. Tu non, mais l'as non, pas mais, non, mais non, parce qu'en fait, il y en a trois qui ont des manettes et quelqu'un qui joue avec les. Ce qui me fume, c'est que j'ai quasiment rien ramené pour moi, juste ramené des trucs pour mes poches. Mais oui, c'est comme ça souvent. Il y a ma souris. Attends, regarde les prix ici, ça doit être une dinguerie, non? Ouais, c'est la mienne. Quoi? Bah, tu vas à la caisse, je pense, et ils te donnent. Comme ça, t'as que des petits rayons. C'est smart. Smart. Voilà, tout le monde a fait à peu près ses petits achats, etc. Dis merci qui? Merci Revolut. Avec ça, on va pouvoir aller game sur Smash. C'est quelque chose qu'on peut absolument faire en France. Hein. Mais on a oublié les manettes. Thank you. Je crois que là, on va monter à l'étage. C'est le safe shop. De toute façon, il faut tout découvrir aussi au Japon, les gars. Ça soume. Elise, t'es Tiger Woods? Corentin, les crampés. Laisse ça à moi. Bon les gars, voilà, on a fait les emplettes, on a tous craqué. Et là, on va chercher un petit restaurant. Regardez les gars. Ouais. Vous avez la ref, les vloginous. Bon les gars, on va manger dans un petit resto japonais. Ça va être trop bon. Spécial japonais. Là, on va être assis là. Je distribue des cartes ou... Il est avec nous tout le voyage ou il rentre à un moment, Alex? Non, Alex, pour 1500 euros, tu rentres là? Dis pas ça parce que pour 1500, je pense qu'on rentre, il le renvoie vraiment. Les gars, thank you very much, Michel. Et moi, je vais lui dire, I trust you, my friend. Cool, en fait, on a osé rentrer dans un truc où aucun touriste va. Ah ouais. Wow, let's go, j'adore ça. En fait, allez les gars, allez gâteau, ça gâteau. Bon, là, j'ai corps au Japon, let's go. Ah,
le petit repas qui a mis bien là, on s'est régalé. Bonne petite adresse ça. Même si on ne pouvait absolument rien lire de ce qu'il y avait. Ouais, le menu, je sais pas si on vous a dit, mais le menu il était tout en japonais donc on a un peu galéré, mais après ça va, on a réussi à se faire, à se communiquer avec la serveuse, avec Google Trad. C'est vrai que ça c'est un peu compliqué de parler avec les gens globalement, même les vendeurs et tout. C'est un peu galère. Mais par contre, ils sont hyper à l'écoute et elle a pris le temps de comprendre. Elise, elle lui a montré. Exactement. Elle a attendu 5 minutes. Mais par contre, ça crée des situations quand même un peu gênantes en mode ça se voit, elle comprend pas du tout ce que tu dis. Non, en vrai, il faut réagir vite dans ces cas-là. Moi, c'est pour ça que j'ai pris le téléphone. Enfin, c'est quoi le programme là? Ça va rentrer? On attend Steph, il est parti aux toilettes, je crois. Mais globalement, là, c'est fin de soirée. Tout ça, c'est première journée un peu chill. Et voilà, demain, ça repart fort parce que demain, on va se faire tatouer. Du coup, il y aura pas masse visite, je pense, vu qu'on va se faire tatouer. Non. Après, de toute façon, je pense on se lève tôt. Hein. Moi, je vais aller à la chicha, je vais répondre un peu à des WhatsApp et tout et pour le taf. Parce que du coup, là-bas, en France, ça charbonne. Bon, les petits potes, on est avec Elise là. Les petits loups, ils vont aller se coucher au Mario Kart. Ou ce Mario Kart. Ou ce Mario Kart. Ils sont là, regardez les là, quatre petits loups là. Et nous, on va aller boire un petit verre dans un bar à Tokyo qu'on a vu sur internet. En vrai, nous on est là, hein, on va profiter. Hein. Bah toi t'as dormi la nuit, plus un peu dans l'avion, moi j'ai dormi tout l'avion, on est au max. Moi j'ai fait un petit somme aussi en arrivant. Ah oui, moi j'ai dormi 25 minutes en arrivant. À toutes les petites potes, on vous fera peut-être un petit rush là-bas, mais si on peut pas filmer, on filmera pas. Voilà voilà, bisous la team. 2 hours later. Petit retour à pied à Akihabara. Nous on est des vrais, tu vois. Des vrais. 30 minutes de marche, c'est bon ça. Tokyo Fire Department. Voilà pourquoi je voulais rentrer à pied. Clairement. C'est pas ce qui peut se passer. Il y a l'autre qui tousse en bas. Les gars. Ok. 4h45. Cette personne n'a pas dormi, à part la sieste de cet après-midi de 3h. J'ai oublié le surnom du pays où on est. Le soleil, le vent, je sais pas quoi, un truc comme ça là. Il fait jour quoi. Il est même pas 5h du mat et il fait jour de fou, genre en mode go faire un footing. Je vais pas aller faire un footing. Mais voilà, j'ai essayé de dormir un peu. Peace. Yo la team, on est jeudi matin. On vient de se réveiller, il est à peu près 11h. Full déphasé ça. Et là, aujourd'hui, c'est tatouage, mais. C'est tatouage. On va aller. Mais la chambre en bordel. Ah, je continue pas, c'est à cause de Steph. Non, alors on avait pas eu le temps, les gars. C'est à cause de Steph. Du coup, là, on va aller chercher le petit déj, c'est ouais, ça. C'est ça. Moi, je sais pas vous, moi j'ai trop bien dormi déjà. Je me suis couché, réveillé. Il n'y a pas eu de. C'était net, précis. Et là, du coup, on va aller chercher le petit déj au 7-Eleven, là où on était déjà allé hier. Et ensuite, on va aller faire le tatouage. On a une grosse journée aujourd'hui. On est 3 ou 4 à se faire tatouer, ça va dépendre de quelques paramètres. Puis là, ça y est, on rentre vraiment dans le vif du sujet. Là, ça y est, là, c'est première journée, Japon. La nuit, elle est passée. On est tous requinqués. On est parti comme en 46. Bon la team, il y a le trio infernal là, avec la Catman, on arrive au 7-Eleven. Je suis épuisé, on a marché 5 minutes. Bon, les gars, il fait une chaleur. Je leur ai dit de prendre un short, hein. Mais bon, comme ils m'ont bien écouté tous les deux, une chose, vous allez voir, au 7-Eleven, c'est qu'il y a très peu de choses au chocolat et tout. Il y a quoi genre? Il y a genre la plupart des trucs qui sont la couleur du chocolat ou quoi, c'est du haricot rouge. Et genre, je me suis tellement fait avoir, et vous allez voir pour le petit-déj. Pour le petit-déj, c'est très compliqué au Japon. Enfin, moi personnellement, qui adore le sucré et le Nutella, c'est très compliqué. Chocolat crème bun. Mais ça a l'air incroyable, ça. Par contre. Sans doute chose, oui. Ouais, je pense que c'est ça. Ouais, voilà, c'est ça. Sweet red bean, c'est haricot rouge. Brioche sugar toast. Pain au chocolat, les gars. Mini de chocolat de croissant. Vous savez pas si vous voulez faire des pains au chocolat ou des croissants, ils ont fait des mini de chocolat de croissant. Ça, Andreas, il se retourne dans cette. C'est quoi, c'est des croissantilles? Non, mais. Ils ont arrêté le débat pain au chocolat, ouais, chocolatine. Ils ont fait ça. Et je pense qu'on se retrouve pour pas payer. Ouais, ce que j'allais dire, on se retrouve à la maison pour déguster tout ça. Ça va être incroyable. Oh. On a dormi comme un bébé. Attends, est-ce que je l'ai mis avant de dormir? Ah non, on a mis le même. C'est pas grave. On va être obligé de toute façon de mettre un peu. Ça filme. Ouais. Ça arrête un moment. Mais un caleçon, gros. Ça dérange. Ah, ta grosse beuteux là dès le matin. Ça dérange, hein, c'est mieux. Bon bah oui, on a bien mangé on là. On va se faire tatouer là, mais on est complètement à la bourre. Okay. Et Elise, Alex, moi et Yann, on part. Et Ronan et Coco, Yann, il s'est tatoué aussi après. Non, les masterclass ne seront pas tatoués. Moi j'irai me balader, je ferai visiter un peu. Je fais sommeil. Toi, tu t'es couché à quelle heure toi? 6h20, il y avait l'annonce du GP, j'ai dû taffer, post Instagram. 6h20 en plus en France, ça représente quelle heure? C'est genre 23h. En soi, c'est pas tard. Ça représente actuellement dans mon cerveau 4 heures de sommeil, c'est tout ce que je sais. Bon, c'est 4 t-shirts aujourd'hui qui sont portés. Moi j'ai le t-shirt de Yann. Là-bas, c'est le t-shirt d'Elise. Bon, le tien. Le plus beau. Regardez comment Alex il traite ses gars. Impossible pour Yann de d'être quoi. Oh là là. Oh là, là. Ah,
Ouais, s'il te plaît, avec 3 chocolats, tu connais. Ok, c'est une prise d'otage ou... J'ai gagné 20 millions d'abonnés, Elise, j'ai besoin que tu gères ma carrière. Je suis complètement bourré, j'ai l'impression qu'il y a un énorme film transparent au milieu de la voiture, là. Trop bizarre. Alors vas-y Steph, c'est quoi un peu ton tatouage que tu veux moi, faire? Moi je vais m'écrire Yann la masterclass sur le bras. Sinon il y a une vraie réponse dans le lot. Non, en vrai je vais me tatouer Ikigai. C'est un mot japonais que j'adore qui représente la raison de vivre couplée à ce que t'as envie dans ta vie. Enfin voilà, faut taper Ikigai sur internet pour avoir la définition. Oh, il y a le Luffy Burger. Okay. En fait ça t'intéresse pas ce que c'est ce que j'ai mangé hier, le Luffy Burger. Si ça intéresse des gens peut-être, bah voilà, continue à parler en fait comme si j'étais pas. Vas-y, excuse-moi Steph. Allez Steph, c'est ouais, bon. C'est quoi je pense quand c'est le tatouage? Non, vas-y Steph. Vas-y, bah descends la voiture là. Non mais vas-y Steph. Donc je disais Seven Eleven, on y va à quelle heure? Ah, Eleven. Ah putain, tu parlais Steph, fini. Donc je disais, je pense que je vais le mettre là comme. Je vais me faire tatouer Ikigai si je change pas d'avis arrivé là-bas. Donc c'est sur le bras et tu le fais est-ce que tu l'écris comme t'es mal scooter. De haut en bas quoi, élévateur. Et du coup, Steph, tu vas le faire en long, ouais, comme de ça. De haut en bas. De haut en bas, comme, comme au japonais, comme ils, en japonais, comment ils écrivent. Moi, je vais me faire tatouer le nombre 20, qui est mon nombre fétiche, en japonais, mais pas en kanji. Le rendu kanji est pas très beau. Je vais le faire en hiragana, je crois que c'est ça. C'est un autre alphabet japonais, le plus simple, celui qu'on apprend aux enfants, etc. Et en vrai, je trouve ça cute. Je pense que je vais le faire dans le dos. Et toi, mon Alex, préparez-vous à l'explication d'Alex, vous allez être surpris. Moi, je viens d'apprendre quelque chose parce que je voulais me faire tatouer tic sur le bras et Steph, du coup, tac. Et du coup, je crois qu'il a cancel le col. Donc là, je suis parti pour me faire tatouer tic tout seul. Bah, en vrai, fais tac sur le bras, c'est pas grave. Hein. Ouais, non, puis sérieusement, je vais me faire sur le bras. Je vais me tatouer mon petit chat que j'aime et qui me manque. Apporte la précision qui fait que c'est marrant. Il est designé en mode un peu japonais, mais je vous montrerai le dessin, vous comprendrez mieux. Et il a un katana dans la bouche. Alors que mon chat est une putain de victime. C'est une énorme victime. Et du coup, c'est très drôle. C'est pour contraster c'est quoi. C'est hilarant. J'ai reçu un Google Doc, brief tatou. Et ce qui est marrant, c'est que les gars lui ont fait un croquis et Alex ne l'a toujours pas vu. Donc là, potentiellement, il arrive et il déteste ce qu'il y a. Ça va être la loterie pour Alex. Bah, c'est vraiment la loterie. Une chose super importante, les gars, qu'on n'a pas abordé, c'est que normalement, Corentin va nous rejoindre oui. pour se faire son petit tatouage du Z-Event 2020. Ouais. Je crois que là, on a Shinjuku, les gars. Bon, les gars, le beurre nous a lâché. Peut-être on n'est pas là où il faut, mais en tout c'est cas, c'est trop stylé. Il fait beau, les gars, il fait et chaud, le ciel bleu. Dans ce pays, je suis émerveillé par tout. Chaque centimètre carré, gros, ça m'émerveille. Vu la température qu'il fait en été, ils doivent crever. Là, je pense qu'il doit faire genre 28. Et regardez, là, il y a plein d'immeubles. Et d'un coup, là, il y a une maison, genre un peu traditionnelle, on dirait. Là-bas, on dirait un temple. Tout est un peu entassé quand même, parce que ça se voit que globalement, le mètre carré est cher, tu vois, ici. Donc, chaque mètre carré compte. C'est un truc de fou, quoi. Oh, regarde la petite foule là. Dans l'autre sens. Voilà, les touristes, hein, on marche, on fait demi-tour, On est perdus ou... Non, mais faut le dire aux gens, on découvre, on se balade, on sait très bien où on va, juste on voulait voir cette petite rue. Elle est trop bizarre, on se retrouve au même endroit. Comme quand on avait raison au début, hein. J'ai le caca de stress qui doit sortir là. C'est ton premier tatou, t'es stressé? Ouais, un petit peu. Yann, fais-toi tatouer avec moi, ça va me stresser. Non. T'as écrit la masterclass et moi j'écris Yann. C'est comme ça qu'on colle le roi. Écris, merci Revolut pour ce poulet. Je dépasse la pensée nette. Ouais. C'est incroyable ici. C'est tout mignon. En fait, on est dans un appart. I want to be in the failure. Yeah, with pleasure. Yeah. What's your name, Mandy? Mandy, I'm the manager of Japan Tattoo. Wow, the big boss is there. It's Gotaga, but for Japan Tattoo. Yes, exactly. And this is Kaji tattooing Alex. C'est Kaji qui va tatouer Alex, les gars. C'est trop bien passé. Du coup, c'est le chat, bah, il vous a expliqué déjà tout à l'heure. C'est mon petit chat. Et là, Kaji, il le rase, il va lui poser le stencil. Et là, il a dit en japonais, il est pas trop poilu, Alex, ça va? You know how many times it will be? 2 hours. Ok. Trop, elle l'a mais... J'aime pas de pluie. Comment il s'appelle ton chat? Cortex. Cortex. C'est une fille. Pardon. C'est Cortex, elle c'est est... une fille. Ouais, et en fait, quand je lui donne à manger, je fais DRA. Et elle vient, elle se ramène et elle vient manger. On doit rire ou pleurer là? Tout est filmé? Oui. Ouais. C'est Cortex, c'est une fille vraiment? Ouais. Mais tu vois. Je vous jure que c'est vrai. Après, moi, mon chat, c'est une fille, elle s'appelle Miroir. C'est un chat de gouttière que j'ai récupéré plus cher. Elle allait mourir si je la laissais dans la rue. Des cœurs pour Cortex dans le chat. Je sais même pas quoi dire, frère. Son chat, il s'appelle Cortex et c'est une fille. Je vais vraiment mettre. Je pensais que c'était une blague, moi. Je pensais que c'était une vanne. Ça se trouve, c'est une vanne, il va nous dire ce soir que c'était une vanne, mais. Je vous le jure sur tout ce que j'ai dit. Ok, bon, bah, c'est pas une vanne. C'est moi qui fais. Excellent. Je suis trop impatient de voir le résultat parce qu'en plus c'est mon premier tatouage en couleur. Moi sache que si j'étais toi à l'arrière là, j'aurais mis des pyramides. Mais bon ça ne tient qu'à moi. Cortex les pyramides.
Cortez 91, les pyramides. Is this your first? No. Oh, okay. Just me for the first. Yeah, you and your boss. Yeah. You look like the boss. Yes, I don't have his money and his followers, so... T'as déjà vu quelqu'un sur tatouer ou pas? Ah oui, ok. Freeze! On fait quoi les gars là? On va se balader à Shinjuku, ouais. Je pense qu'on va aller boire un petit verre, faire Alex, les boutiques. On a laissé Alex se faire tatouer parce qu'il y en a pour 2h30. Donc on va revenir pour 16h30 et là on va aller se balader et tout. Petite fun party à 3, voilà, la Gotagas party. Et voilà, et visiblement Coco va se faire tatouer, donc je suis super hype pour lui, je suis super hype pour moi, je suis super hype pour tout lui. A tout de suite. Oui, c'est écrit en anglais en dessous. J'ai mal aux aines. J'ai mal au nez les gars, regardez comment il est rouge. Ice tea, venti, grappe. Alors on a demandé un ice tea, elle nous a posé deux questions, on a dit oui. On sait pas ce qui a été rajouté. Je crois que c'était fruit rouge non pour être ça rajouté. Sent ni l'ice tea, ni le fruit rouge, ni le raisin. C'est de l'avocat. Par contre 01, tu sens quelque chose? Ça sent aucun des trois là. C'est horrible. Écoute ton truc s'il te plaît. C'est du thé quoi, c'est du thé, c'est du thé froid, ouais. Ça va en vrai. Non, ouais, j'aime bien. Plus je bois, plus j'aime. Ouais. Il y a le boss Yann qui nous a ramené dans une petite rue trop sympa. Ça fait vraiment Japon, j'aime trop. Ouais, c'est Oh waouh. Ah ouais. On est dans un petit chemin de verdure où on n'a pas le droit de parler fort. C'est trop agréable, on n'entend plus du tout les bruits de la ville. Il fait bien frais parce qu'on est à l'ombre, il y a de la verdure partout. On est sur les immeubles à côté. Mais c'est super, super agréable. Voilà, c'est une petite balade de 600 mètres, ça fait trop, trop du bien. Les gars, on vient de trouver notre premier vrai tori au cœur de Shinjuku. On pense qu'il y a un temple au fond, donc on va aller voir. Et Elise qui boit sa petite Red Bull, le plus connu, là on pense que c'est violette. Ça fait tellement du bien un peu de verdure comme ça. Et là, il y a un temple aussi, magnifique. C'est ton tour, c'est ça? Oui, après j'avoue que moi je suis pas comme Steph qui en fait des caisses et tout, c'est pas mon premier, donc là elle m'a pris une photo pour me montrer la taxe après, ça va être ça comme. En haut du dos? Ouais. Voilà. Okay. T'as dit qu'on se ressemblait, elle pensait que c'était moi le boss. Vous pouvez mettre vos chaussures sur le tapis. Welcome boss! This is the brother of the boss. Hi boss number two! Là il y a Alex qui se fait tatouer et Elise elle va se faire tatouer par un autre tatoueur. Sorry. Tu sais comment il s'appelle son chat? C'est une femelle, Cortex. Ça fait mal ou pas? La couleur, ça fait un petit peu moins mal. En fait, ça dépend des zones. Quand il arrive vraiment dans le cœur de l'avant-bras, ça pique. Tu stresses, Coco? Moi, un petit peu, quand même. Je vais pas faire le mec, mais je stresse un peu. Parce que, bah, en fait, ça me déchire la peau, donc logiquement, ça va faire mal. En fait, c'est supportable. Je regarde, je peux parler, je peux bouger la main, etc. Je suis pas du tout coup de faire, moi. Bah, le Gotaga en japonais, t'aimais pas? Ok, donc ça c'est le logo, ouais c'est stylé. Ouais, that's bien. In kanji ou in... Katakana. In kanji, it's what to look like? No. It doesn't have a kanji. Ah ok, c'est que dans la langue, la deuxième langue que Elise fait aussi. Est-ce que tu veux quelque chose de simple comme ça ou tu veux qu'on ajoute ton logo quelque part? Parce que là en vrai c'est vraiment discret du coup, tu vois. Elle te fait des déclinaisons. Je sais pas du tout. Bah ça dis-toi, c'est une valeur sûre, tu le regretteras pas je pense, tu vois. Can I read your shirt? Oh, ok. Oh imagine, elle dit ça veut dire j'aime les pas. Wow, it's my t-shirt, so what does it mean? It means... This. Person that's like a son? Yes. Yeah. Okay. Ooh, yes. This is our happiness manager, this teacher. I'm the fun man. Yeah, it's a fun man. You organize fun parties and... Ouais, j'ai eu peur, mais j'ai dit... So you're not fun? Yeah, no, yes. He's a tryharder. A bit less, I think. And in middle or... It's up to you, but the middle hurts more. moi, je le préfère sur un des côtés, je pense. Sur un des côtés, comme ça? Thank you. Thank you. Ça va un peu mieux mon ref ou toujours la souffrance? Là je sens. Non, oh, beaucoup moins. Au début je sentais rien et là il a fait la couleur, il a fait le contour du cadre. Ouais. Là, si tu peux regarder, là, ouais, en vert. Ça, une torture. Une douleur sur 10 du coloriage comme ça? Ça va, je suis pas donc demi mais genre 6. En vrai, c'est dommage de me faire tatouer au meilleur endroit où je pourrais me faire tatouer des trucs, en plus où je veux me faire tatouer des trucs. Ouais, c'est pas ça. Je crois que je vais réfléchir cette semaine et je veux revenir. Ouais, c'est ça, c'est insane de faire un tatouage au Japon, ouais. Notre Alex, il douille un peu plus là. En fait, ça racle un peu quand il fait la couleur et du coup, c'est plus douloureux. Bon, c'est comment là? Dis-nous un peu ton ressenti des tout là, à 5 minutes de se faire tatouer. C'est là, nous. Et Alex qui souffle derrière, stressé à combien sur 10? Il a fait des lannes, la pression, il la voit. Ça fait pas mal, Coco, t'inquiète. Et moi, je crois que ça va être moins localisant, quand même. Ça fait pas mal, t'inquiète. Il y a du sang qui sort de son tatou. Are you paying for everyone's tattoos? No. Boss. He's a very kind boss, but it's personal. He paid us a lot. Hein? Okay, you're a good boss. Yeah, very good boss. No, he looks kind of suspicious. No, he's a very good boss. You can use the toilet if you want. Oh my gosh, you okay? Je viens de mettre une patate à la porte. Avec mon doigt cassé. Il est trop bien fait. Oh. Ça a mal dans le dos du coup. Tu sens... Attends, mais...
Pourquoi il a écrit Kwakubé ce con? Je pense. Ouais. Ouais. Bah c'est bien. Mais dans l'avant-bras, après, tu le vois tout le temps. Dans le dosage, tu l'oublieras ever. Pour un premier, faites pas vraiment. Le premier, t'as envie de le voir et tout. On m'avait dit ça, j'étais en mode ouais, non et tout. Et en vrai, si. J'ai dit que je reviendrais si jamais à faire la fusion du Capricorne et. Ah ouais? T'es content Alex? Trop, j'ai l'impression d'avoir une œuvre d'art sur le. Mais vraiment, hein, plus tu t'approches, les détails sur la tête du chat, ils sont trop beaux. Après, je vais te faire des plans de coupe quand tu fais les plans Master Kill, tu sais là. Yay! Thank you. Domo arigato. Waouh! Je suis trop bon, c'est bon. C'est trop. T'es content? Ah ouais, j'ai l'impression d'avoir une œuvre d'art sur le bras. Show it to your cat. I'm gonna show him. It was so good. Yeah, he is very quick. Thank you. Amazing job, wow. Je vais être à toi là. Je me fais caca dessus. It's a reading for people. Yeah. Not for him. Yeah, go attack, I guess. C'est ça, hein. Quand je suis face à toi, je lis. En fait, tourner vers toi, je trouve ça bizarre. Enfin, pas forcément. Ah oui, c'est bon. T'as écrit le French Monster là, c'est. Ah, c'est moi. Wow. Tu le vois encore un peu plus loin? Je pense, c'est bien comme ça. Ouais, vas-y. Ça y est, c'est parti. Moi je trouve bien comme ça, après c'est toi qui sais. Attends, tu disais quoi Coco? Il sait pas s'il veut rapprocher ou pas. Celui-là je l'ai pas rapproché parce qu'après dans le pli, genre bon argument pour Elise. C'est quoi? En fait, moi j'ai mon idée de simple. En gros, je voulais me tatouer la première lettre de chaque prénom de ma famille. Donc mon père, ma mère, mes frères et sœurs. Et pour le signe qu'on le fait là, tu vois, ou que je le fais au Japon, j'ai rajouté un truc, genre juste au-dessus, pour reconnaître aussi, leur mettre leur personnage de cœur, juste la chevelure de leur personnage animé. Genre par exemple, on va dire Mel, c'est Nezuko, je mets juste sa chevelure. Là, j'ai réfléchi là. Eh, t'es en train de te chauffer. Non, en fait, quand t'es ici. Ta mère, elle va me tuer. Non. Mais quand t'es ici, c'est grave un mood en fait. Ouais, mais t'avais pas prévu de te faire tatouer, d'accord. Ah, oui. Bah, après, là, tout de suite, maintenant, je me fais pas tatouer. Mais quand je vais rentrer et tout, je vais réfléchir. Tu stresses ou quoi? Ouais, je stresse, je tiens pas en place. Bah, ouais. Tiens en place et laisse Coco tranquille. Ah, il est 9, 9, 9. Oh là là, tu vas souffrir. Non, il va. Je pensais qu'on prenait tatouage, je le ferais avec un en plus. T'as prévenu Cam que tu faisais tatouer? Ouais, mais c'est le mec qui m'a donné l'idée du Capricorne. C'est pour ça que je voulais faire un truc en rapport. I'm fine. Et vous rendez compte quand même qu'on repart avec un souvenir du Japon à vie gravée. Je crois que je vais faire le même que Coco là. Pour combien tu te tatoues Color Life, la Coco, le logo ici là? Non, franchement, un M. Ah ouais? Moi, tu me payes le tatou, je le fais quoi. Non, je rigole. J'ai rien dit. Combien toi? Le package? 10K, je pense. 10K? Franchement, je suis chaud. Non. Allez, fais ton tatouage. J'espère que le fait d'être trop stock comme ça, c'est pas gênant. Merde, désolé. Je stresse de BD, voilà, c'est bon ou pas? Je le dis, ça se voit, je pense, je marche partout là. Il est beau. T'es content? Ouais. Thank you very much. Attends, mais c'est passé tout seul, ça a pris combien de temps? Franchement? Même toi, ça a duré 10 minutes. Non, 30 minutes moi. Mais lui, ça a vraiment pris 15 minutes, je pense. Oh, le boss. J'ai peur de bouger. Oh, do you want to exchange a t-shirt? Oh. Against the my tattoo? No. I mean that t-shirt. Oh yeah. We change? Ouais, ça c'est ça. Can I pick someone? I don't want yours. Oh yeah. Most beautiful is this one. Oh yeah. This is much nicer. Yeah, that's mine. Sorry, Elise. You don't want this one? This one? It's very, very beautiful, right? Did you make that? Yeah. No. You don't like it? Oh, you are such a graphic designer. Oh yeah, thank you. Bon, Steph, c'est à toi. Alors, la petite anecdote, je voulais faire un tatou d'un mot japonais qui gagne. Et ce tatoueur a fait exactement le tatou parfait. Et quand j'ai envoyé la photo, j'avais pas vu que c'était le mot que je voulais. Et là, je crois qu'il est en train d'essayer de retrouver le stencil qu'il avait fait à l'époque. Stencil, c'est quoi? Je ne connais pas en tatouage, mais je crois que c'est le calque. Tombé ouais. Dessus pour vérifier le placement. Il faut bien quand même. C'est toi qui lui a dit, ouais, j'ai des poils, le goût. T'es pas obligé de remonter la manche. Non, je veux voir jusqu'à où il remonte sans que ça soit trop, tu vois. C'est pas le moment de dire non, de toute façon ça part. Donc. Par contre, moi je trouve que c'est beaucoup plus que deux sur les 5. Je pense qu'on a un bon 5 minimum. Hein. Après, ça dépend aussi un peu des gens, des hommes. C'est dérangeant, mais tu vas pas genre lever ton bras de douleur, tu vois. Là, dis-toi, il a fini un kanji. Hein, déjà. Et en fait, il te remplit tout direct. J'arrive pas à faire des blagues. Corentin, il a payé 10 000 euros pour me faire une teub en secret. Imagine. En fait, faut te tatouer tous les jours pour que tu sois calme comme ça. C'est vrai que c'est la première fois où t'as pas plus de dame pendant. Trop joli. C'est bien fait. Ouais. Thank you very much, Kaji. J'ai la peau gonflée là, mais il est, il est tellement fin, il est parfait. Il est magnifique, bien centré. Je suis trop content. You can tell Kaji is the boss. Thank you very much. Thank you very much. Et c'est ce que je disais, c'est que ce mot-là, comment? Je trouve que le Kaji, il y a du carré. I give you my shirt, and after I take this one. Une photo en t-shirt. Oh yeah. Okay. No worries. I need to wash this. Yeah, you need to wash it. Yeah. On laisse un petit souvenir. Et nous on prend un souvenir. Say hi to the vlog. Hey, thanks for coming everyone. The Welcome friends. To Japan. 400,000 people looking at you now. Oh my gosh. Je repars avec un souvenir là. Arigato gozaimasu. Thank you so much for coming. Bon les gars, ça y est, les tatouages ont été réalisés. J'ai toujours critiqué les gens qui, tu sais, quand ils prennent des photos, ils se font tatouer, ils mettent les bras en avant, tu fais pareil. Du coup, là, on va aller manger. Là, on va retourner aux endroits où on a des restos quand l'air
sympa, ouais. Il y a plein de petites zones où c'est calme. Ok, bon, du coup, là, on va manger. Et puis après, il y a. Moi, je suis chaud de faire Batting Center. Je sais que Steph, toi aussi. Toujours chaud pour tout, moi. Non. Quelle direction le poulet, mec? Le poulet, c'est là-bas. Ah, ok. Il est où ce poulet? Hop là. Il est là-bas. Ah. Du coup, là, on est où, Steph? À Shinjuku. On s'est baladé là-bas tout à l'heure avec Elise et Yann. Je pense qu'ils ont déjà vu des images. Il y avait de la bouffe partout. Voilà. C'est parti, les gars, on va manger. Vas-y, Steph, tu passes devant, c'est toi qui parles. Le petit bar et tout. Attends, c'est incroyable, gros. C'est qui Tic de votre jeu? Moi, c'est Tic parce que je suis long et droit. Et lui, c'est Tac parce qu'il est petit et gros comme le A. C'est un bon moyen mémotechnique, en fait, il ira plus jamais maintenant. Juste pour trinquer avec lui. Bah, c'était très bon en tout cas, les gars. Ne vous inquiétez pas, les gars, le vlog n'est pas encore fini. Il reste encore le Batting Center, après on fait un karaoké, après on rentre et ça sera la fin du vlog. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Bon, et du coup, comme d'habitude, on a fini le resto, on s'est régalé. Qui c'est qui va rincer? C'est Elise. Avec quoi? Avec sa carte révolue. Let's go. Elle a bon dos, la carte révolue. Eh, franchement, bon, on la tabasse, hein, c'est tout. C'est chaud. Excusez-moi, c'est par où la sortie? Je sais pas, ouais, tout droit là-bas. Allez, t'as allez, t'as et merci, révolue. On va où, mon petit Yann? On va Batting Center. C'est pas magnifique. En face, ouais, c'est trop beau. Dépassé tout à l'heure, quand il faisait ça, a 100 fois plus de gueule de lui, non? C'est des t-shirts de la dernière collection des vlogs de Gotaga. J'ai trop hâte, les gars. Wesh, ça va vite, hein. C'est trop dur. Voilà, vous avez une vitesse, gros. Mais franchement, celui qu'on arrive à en taper une, il est chaud. C'est super dur en fait. Ça tombe trop bas que ce que je pensais et c'est vraiment pas facile. Et en fait, on n'a pas d'indicateur quand elle arrive. On a vite fait un truc, mais c'est dur. Allez, Steph, ça va? Et 2-1. T'es fait mal? Putain, tu les touches toutes, hein? Ouh, oui! C'est parce qu'il a fait un autre. Tellement satisfaisant. Alors Steph, ressenti à chaud là? Incroyable, mais 120 km/h c'est très dur. Moi j'avais commencé à 80 la fois quand j'étais venu, je crois. Ah, ça va à 120 là? Ouais. C'est pour ça que j'ai rien touché. Ah, mais je vais être trop nul, gros. Ah, bah, déjà, tu vois. Facilement là. Vas-y. Mais c'est trop dur, bref. Le gant, tiens. Voilà, tu as touché. Aïe aïe aïe. Mais c'est dur, hein. Après, on va au 80, 90, 100 pour Coco. Attends, mais j'ai envie d'essayer, j'ai envie d'essayer. Non, le 120, c'est même pas drôle. Tiens-moi ça. Non, non, en fait, ça a trop dur. Maintenant que t'es là, tu le fais. T'es sûr que ça arrive là? Là, elle arrive. Ça va vite, hein. Allez, vas-y, ça arrive, ça va enchaîner. Allez, là, allez, là, là. C'est trop dur. Ouais, il faut que tu commences le geste avant. Là. C'est trop dur. C'est dur, hein. Je me suis déboîté l'épaule, je crois. C'est trop dur. Je give up, c'est bon. Mon ego a pris un coup. Yann, Yann. Oh, t'es chaud, toi, Yann. Voilà, c'est mieux déjà. Allez, Yann. Go, à l'autre côté. Go, go, go. Tu peux en toucher? Voilà. Oui. C'est pour toi, ça, Yann. Oh oui! Ça c'est pour toi, Ron, pour la première partie de demain. Elle est pas si fun que ça. Tu pars trop tard, Ron, faut que tu prépares un peu ton geste avant. Ah, mais mec, je suis trop nul. Ouais. Allez, Yann, là. Oh! Oh! Fais gaffe, il y a une balle à tes pieds, je crois. Oui. Je commence, tu prends exemple, parce que t'es une masterclass, donc retiens tout ce que je vais faire et fais exactement l'opposé pour gagner. Ok. Vrai mec n'a pas d'objectif. C'est pas pire du coup. Regarde ce que je vais choper là-dessus, il y a un lingot d'or là-dessous. Oh. C'est pas passé loin. Dernier 100 yens, les gars. Allez, mets les 100 yens dedans. Regarde ce que je veux. C'est mal au mouton. Non. C'est impossible. Corentin nous parlait d'un mot depuis le début qu'on était ici, personne ne croyait que c'était un vrai mot japonais. On vient de trouver deux boutiques qui s'appellent Matsumoto. Voilà, nous te présentons nos excuses. C'est comme Louis Vuitton. Et là, c'est son prénom, non? Nous, on pensait qu'il parlait de truite depuis le début, mais en fait, non. Bah ouais. Non, c'est Matsumoyo, ça. Ah, t'es chaud en japonais. Ouais, demande dans le chat, tu verras. Ça se voit, t'as révisé avant de venir ici. Donc là, il y a des gens qui se la donnent au karaoké, là. Ça va faire quoi, là? Ça va à chanter. Libéré! Je vais faire voir Corentin à chanter. On n'a pas vu ça, cette prestation depuis le Z-Event. Fais attention, le secret survivra. Je pense que ça sera le premier à chanter. Moi, il m'avait impressionné, ça, je crois. Oh, on va voir sur les alcools qu'il y a, quoi. À consommer avec modération, bien entendu. Oh, la dinguerie! Ok, c'est parti. On part sur un petit son indien, est-ce que ça vous dit? Oh, putain, j'ai envie de partir. Watashamina. I'm a bluebird. I'm a bluebird, yeah, yeah, yeah. Qui vive la guitare à main. Coco, solo! Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé. Oh, Champs-Élysées, palapalala. C'est la musique! Ah, tu es mort!
Oui, mais par contre, premier de Jésus. Watching a song with the eye of the tiger. Le jeu tigre, pour ceux qui n'ont pas compris. Merci. Le jeu tigre. Les bloginous, si vous n'avez pas compris, je vais vous traduire. C'était trop lourd. Allez, on rentre à la maison. Vous êtes chaud, on se fait une déterre après, ensemble. Tu m'as dit quoi, Coco? Tu m'as décerné quoi avec Ronan là? Le trophée de celui qui chante le plus faux. Pourquoi? Pourquoi? Je comprends pas. Là, directement, Andréa, je te mets plein d'exemples. Ce chien il va s'amuser en plus. Tellement le problème c'est que là le vlog va vraiment durer 2 heures. Tous les moments où tu chantais faux. Non mais il a chanté mal, comme nous tous, il chantait faux et mal. Sauf que t'es dur. Vas-y, regarde-le dans les yeux. Dans la caméra là tu lui dis tu chantes bien. Non, tu chantes pas bien mais tu faisais ton mieux. Non, oui, par contre, non, tu faisais ton mieux. Je donnais tout ce que je pouvais pour. Non mais tu donnais trop ce que tu pouvais, je pense. On commence tous comme là, de toute façon on est tous nuls. Et après on devient fort. On commence tous nuls et après on devient fort. C'est quoi le plan là? On fait des vannes, on marche pendant 45 minutes, c'est vrai. Le problème c'est que là j'ai aucun pouvoir parce que j'ai plus de batterie. Mais tombe pas, Coco, tombe pas. Je te jure que je trouve un bâtiment, je me rachète un iPhone au pire et je me branche, mais je prends un iPhone. Là, tu serais prêt à payer un iPhone? Non, c'était une vanne. Ouais, vanne pas drôle. Tu sais ce que ça fait les vannes pas drôles? T'as vu? Moi, je rentre avec Coco, moi. Allez, moi, je rentre avec vous, les gars, ça me fait chier, mais vas-y. De toute façon, on est obligé de marcher un peu, on est en zone interdit. Oui, non, mais toi, tu vas nous dire, on va marcher un petit non, peu. Non, faire. Non, ah, mais finis, Elvin, tu fais 20 minutes, tu te le ferais pas? Je crois que c'est là. Mais par là, on commence par là. Non, par contre, zéro vanne, on est obligé de s'interdire. Non, zéro vanne, dès qu'on sort de la zone, il reste plus que 19 minutes. Au moins, on rentre en Uber. Et si tu crois que c'est. Vous voulez que je la mette sur le téléphone et qu'on chante là? J'ai sorti la grand voile. Mais putain, pourquoi on a pas mis j'ai sorti la grand voile? Je la connais pas. Bah oui, bah oui. Mais dis-moi que c'est fini. J'ai sorti la grand voile. Ouais, ouais. Elle est finie pour l'instant. Sous le vent. Sous le vent? Merde. J'ai sorti la grand voile. Et j'ai visé sous le vent. Pas mal. Combien sur 10? Oh, tu le fais bien. C'est laquelle la meilleure? Oh, tu le fais bien. Yo la team, vous vous dites il est 2h du matin, pourquoi ils se trimballent avec des PC, des boîtiers Wi-Fi, des cartes SD à tout va? Parce que la connexion de l'hôtel a décidé de plus fonctionner. Du coup, on part en quête d'un espace de coworking ou quoi, pour que vous ayez votre petit vlog samedi. Et je crois qu'il y a l'autre chauffeur Uber. On aurait dû faire un test, laisser les Macs pour voir si quelqu'un les volait ou pas. Hey, on n'est pas en galère ou... L'objectif les gars, c'est de réduire ce 30 heures en moins de 1 heure pour que le vlog sorte. J'ai pas envie de rester à 1 heure. On est ravis. La dame était très gentille, cependant, elle peut pas nous aider. Go to the Hilton. Elle est baisée cette tour, elle est trop belle, hein. C'est haut, hein. Ils doivent nous prendre pour des gens bizarres, à dire bonjour, est-ce qu'on peut utiliser votre wifi pour upload des fichiers? Il est 2h du mat, les gars, je suis fatiguée, donc je vous porte comme je le sens. Là, vous avez vu sur mes trous de nez. Salut, ce qui filme! Pas le moment de faire des vannes. Là, des immeubles tard les fous, mais y'a personne qui a du wifi pour nous. Frère, t'es mal à dégainer. J'ai mis un maillot du Japon, moi. C'est pour les attendrir. Tokyo by night! Mission numéro 1, on a réussi à rentrer. Bon les gars, matez-moi ce setup pour essayer d'avoir du wifi. On va aller voir l'accueil, Inch'Allah ils vont nous filer un peu d'Ethernet là, ça serait pas mal. Elise, elle va partir au charbon pour demander. Mais bon, on a peu d'espoir, je pense que les gens ils nous prennent pour des pirates informatiques. De toute façon, vu la dégaine les gars, c'est dur de penser à autre chose de nous. 12 seconds later. Ah, c'est mort les gars, oh sa mère, ça me saoule. Là les cartes SD sont blindées, il y a 3 GoPro qu'on filmait toute la journée. 3 étrangers qui se ramènent et qui disent est-ce qu'on peut utiliser votre wifi s'il vous plaît. Dans des hôtels comme ça, 5 étoiles, ils doivent se dire mais ils veulent nous pirater quoi, c'est normal de penser ça. Non, du coup on va rentrer et on va laisser finir les rushs de supload. Je pense que ça va durer encore 20 heures. Ça veut dire que le vlog, il n'y a aucun monde où il sera prêt du coup samedi. Donc ça veut peut-être dire qu'on décale à dimanche. Vous savez pourquoi. La team, on est trop heureux d'être là. Vous avez vu les 2 premiers jours dans le vlog. Merci à tous, c'est aussi grâce à vous qu'on est là. On vous aime fort et on vous prépare demain. Et n'oubliez pas les gars, les t-shirts qu'on porte et qu'on va porter pendant tout le séjour seront disponibles. C'est dimanche 7, 14h. Après ça reste sur la boutique. Ça reste sur la boutique. Okay. Je vous dis pas précipitez-vous, mais quand même, allez-y. Je pense qu'il y en a qui ont hâte.
il y a un stock, longtemps. Il y a un stock quand même limité. Et voilà, et encore une fois, gros merci à Revolut pour ce vlog. On se rappelle, lien dans la description. En plus, je crois que vous avez une promo, vous avez 20€ offerts si vous créez un compte là avec le lien qui est en description. L'appli est gratuite. C'est gratuit, on crée un compte en 2 minutes sur internet, on peut commander sa carte, on la reçoit super vite, mais on l'a reçu en 48-72 heures, même pas. Et du coup, après, vous pouvez ajouter des sous directement dessus via votre téléphone. Et pour nous, c'était super pratique au Japon parce que du coup, on paye avec, comme ça, on limite énormément les frais, tout ce qui est taxes, etc., du fait de faire des paiements à l'étranger. Bah, pour nous, c'est super, super cohérent de faire le partenariat avec eux sur ce voyage-là. Donc, merci beaucoup à eux. Vous saviez que si on n'avait pas de partenaire, on n'aurait pas pu partir, et du coup, bah, c'est en partie grâce à eux. Donc, merci à eux. Les gars, on compte sur vous. Merci beaucoup. Arrêtez-vous en commentaire. Allez voir le lien en description. Je pense qu'on est bon. On peut clôturer ce vlog, premier vlog au Japon. Les gars, là, j'ai corps au Japon. On est complètement fatigué, on est explosé. En tout cas, sachez que, au-delà, mine de rien, au-delà de la fatigue, du stress, etc., on se régale, on kiffe. Merci encore à vous tous, que c'est quand même grâce à vous qu'on part. Merci à Corentin aussi. Bisous les gars, à samedi prochain. Promis samedi, on sera pas en retard. Promets pas, me refaire. Yolachi. T'es le gamer, le plus gamer qui existe. Du Valo partout, du Fortnite, c'est incroyable. La marée humaine. Y'a Yann qui pleure, Elise qui pleure. Let's go. On voit même pas le Mont Fuji, frère. On voit le Mont. Oh.